Et de Rabbi Akiva. Et donc le Rav Shaya est en train de prier pour toutes les personnes qui ont participé à ce tioul en envoyant leur nom. Donc voilà, vous avez la tombe de Rabbi Akiva et après nous irons sur la tombe du Ramchal qui est juste derrière. Voilà. Donc le Rav Shaya est dans le coin, il y allait encore un petit peu. Voilà, il est là, c'est lui. Comme vous voyez, beaucoup de ferveur, d'accord. Le Rav Shaya prie pour la Géoula très prochaine du Ram Israël. Amen. Nous voyons les élèves prier pour chaque nom transmis. D'émotion sur la tombe de Rabbi Akiva. On peut palper la spiritualité. Bon, j'en fais trop, c'est vrai, mais regardez malgré tout comment c'est beau. Hein? Très grande sadikim lise la liste. Ah mince, elle est à l'envers. Il envoie la tzlacha et qui m'a l'école Michel Libro de tous les gens à qui on va rappeler le nom ici. C'est incroyable ce qu'on fait ici. Venez, on va vite le voir au Ramchal. Voilà, suivez-moi. Là, c'est la tombe du Ramchal. Voilà, le Ramchal est là. Pour tous
ceux qui nous voient à ce moment, si vous voulez, prenez un livre de Tehillim et priez avec nous sur la tombe du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Musato, l'auteur du Messilat Yesharim. Allons-y. Arabe. Le Rav dit quelques paroles que le Ramchal a citées dans son œuvre Le Messilat Yesharim. Alors, comme il nous l'a expliqué, il est bon sur chaque tombe de rapporter une parole du tzaddik. Merci à Nathalie Smadja pour tous les cœurs que tu nous envoies. Déposons une pièce ensemble. C'est d'accord. C'est d'accord. Puisse réaliser toutes les prières, les demandes. Très très beau, très très beau. Adonai, El Hachom Vechanon El Habayim Vafeshe Vemenu Tzemzele Lachim Zavor. Adonai, Adonai, El Hachom Amen. Chazak uBaruch. C'est trop tard.